Bienvenue dans Bref de Taverne. Ce soir, nous sommes avec le couple Serrault-Janvier. Salut les mecs. Salut. Salut. Bon, ce soir, carte blanche donnée au couple Serrault-Janvier à la taverne à Rouet-Morvan. À Lorient. À Lorient, tout à fait, au Festival de Lorient. Donc le couple Serrault-Janvier, un couple de sonneurs, Binou Bombarde, qui tourne depuis quelques années déjà. Comment vous avez démarré? Comment vous êtes connus Le démarrage, on le doit à Sylvain Leroy. En fait, la petite histoire par rapport à ça... Je me rappelle pas, moi. C'est ça, surtout que c'est pour tout. Non, mais je sais pas. En fait, on va se découvrir, en fait. Ouais, là, c'est... Et en fait, j'avais participé à, en tant que bénévole, j'avais filé un coup de main de dernière minute à un festival qui s'appelle le festival de Boc, qui est à Boquerieux, un village d'Alère. Et j'avais filé un coup de main à l'arrache, comme ça... Il y a quelques années, et puis pour me remercier en fait du coup de main que j'avais donné, qui les avait bien dépannés, m'a dit on programme l'année prochaine. Et Sylvain Leroy m'avait dit on programme, mais en couple de sonneurs. Et moi, c'était une période où j'avais un petit peu arrêté de jouer en couple en fait, parce que mes deux compères de jeunesse s'étaient mis à jouer ensemble en fait, pour l'occasion. Et puis j'avais moins de plans, dans ce créneau là aussi, donc. Donc du coup, Sylvain m'a poussé jusqu'au bout. Généralement, je lui dis non, mais je pense que je vais être ça. Et Sylvain m'a poussé à ce que je trouve un compère. Donc, je me suis pris la tête pendant quelques soirées à me dire mais qui en fait pourrait être cette personne avec qui je me sens, parce que le couple c'est quelque chose de très très fort humainement. Il convient. Donc, je sais pas. Et donc du coup, je me voyais pas partir avec pour un plan, une date avec quelqu'un avec qui je me sentais pas. Et finalement, à force de tergiverser, j'avais pensé à pas mal de gens, j'en suis arrivé à appeler Philippe, avec qui je sortais de mon DEM, avec toi. Ouais, ouais. Mais bon, c'est bien parce qu'il est bombarde, moi je suis dans ce truc-là, je suis bignou, c'est bien qu'il cause. Il est bignou, mais jusqu'au bout. Mais c'est vraiment complémentaire, comme dans le couple. Non, mais ça change parce que d'habitude, là, je suis bombarde, et puis là, c'est de la d'ailleurs, ce qui est marrant, qu'il appelle un joueur de bombarde pour aller faire du bignou. Ça, c'est clair. Ça, par contre, c'est une de vos habitudes. Maintenant, vous êtes connu pour ça, c'est qu'en fait, vous voulez absolument pas jouer trad sur scène. Vous voulez vraiment être avec le public, et vous avez déjà d'ailleurs pris le nom de sonneur mobile. Ouais, mais ça, c'est une idée. C'est des trucs qui étaient en gestation aussi. C'est des choses que moi que j'avais naturellement envie depuis longtemps. Et puis là, c'était l'opportunité qu'au bout d'un moment. Être parmi les danseurs et rester assis sur son cul, au bout d'un moment, ça le fait pas. Quoi. Donc, Et ce qui fait qu'à cette date-là, ce qui résume assez bien la situation, c'est qu'on a dû faire le premier morceau sur des chaises, on s'est regardé en silence. Ça peut être possible. Et la réaction a été franche et directe de tous les deux. C'est-à-dire la question n'est même pas apparue après 3 heures de tergiversation autour d'une création, je sais pas quoi. C'est pendant le plan, on s'est regardé, on s'est dit putain, on se fait chier assis là. Et on s'est levé des chaises, on était dansé avec les gens, et là, c'est là où on était nous en fait. Voilà, c'était ça qu'on avait envie, c'est ouais, là où. Il faut imaginer être assis parmi les danseurs, bien sûr. Bon, on voit que ceux qui sont dansés autour de nous, on n'a pas de regard, on n'a pas de. Voilà, c'est bon pour les danseurs, c'est déjà plus sympa que forcément d'être sur scène. Après, c'est toujours une question de jauge, mais justement, après, d'aller chercher les gens, d'aller chercher les danseurs, et pas seulement les danseurs, d'aller. Animer la salle, animer les gens qui s'occupent de la buvette, animer les gens qui restent à regarder sur leurs chaises autour dans les salles, ou les gens qui n'osent pas vraiment rentrer dans le truc, on sent qu'ils aimeraient bien venir mais ils n'osent pas. Ouais.
coup, bah, c'est une vraie animation dans le bon sens du terme, effectivement, où en fait, vous restez pas simplement musicien sur scène, vous allez chercher tout le monde. Et c'est vrai que c'est très appréciable. C'est une prise de risque parce que musicalement, ça doit pas toujours être évident. On sent d'ailleurs des fois que vous êtes un peu fragile et vous improvisez, mais vous l'assumez totalement. Ouais, ça c'est des choses, bah, c'est les parties du jeu de terrain. Avec des fois, il y a des. Bon, soit gêné par les gens, ou des fois des accidents de parcours entre nous d'ailleurs. mais ça, c'est. Bon, ça fait partie de la prise de risque. Et c'est vrai qu'au début, on s'amusait tellement, des fois on s'éloignait de. On s'entendait plus l'un l'autre, hein. Bah oui, tellement forcément. On était loin. Et puis, bon, petit à petit, bon, on a aussi resserré, recadré un petit peu notre cadre de manière à être toujours une oreille envers l'autre, mais en même temps, il y a dans cette musique-là qu'on joue pour les danseurs sont là aussi pour donner une pulsation. Ils font partie de l'ensemble. Du couple, enfin ben ouais, la, oui. La rythmique, quoi. Quelque part, c'est un trio, c'est-à-dire qu'en fait, le public pour nous, c'est la percussion, c'est l'énergie qu'on va mettre dans le phrasé, elle vient du public, tout est en interaction. C'est ça qui est magique dans ce moment-là, c'est que. C'est vraiment l'interaction. S'il y a des fragilités, ça propose aussi une vraie relation avec les gens. Il n'y a pas de distance, on est carrément avec eux. Donc à un moment, forcément, on prend des risques. C'est jamais la même chose. Le répertoire peut être le même. Mais j'assure à 200% que d'un fesnose à l'autre... Ah, c'est clair, pour l'avoir testé, ce n'est jamais la même chose. Et ça qui est intéressant aussi, c'est pouvoir s'adapter aux musiciens et s'amuser avec eux. À la taverne à Morvan, Julien Lemantec vous a laissé une carte blanche pour animer la soirée. Ouais. Vous avez choisi du coup de jouer sur une formule un peu particulière, mais un peu différente, je dis particulière. Donc vous jouez avec la Groove Company qui est donc trois musiciens plutôt cuivre. Vous pouvez nous en parler ? La Groove Company, c'est nous cinq. Oui. Voilà, c'est le nom de la formule qu'on a trouvé, quoi. Et c'est vrai que la carte blanche nous a proposé, on aurait pu partir sur des délires éphémères, parce que bon, des choses que la taverne aime bien, parce qu'on est intervenu, vous êtes des grands bien. Habitués de la taverne. Et, et du coup, on a cherché qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme son qui nous plairait avec nous. Et puis voilà, petit à petit, on a resserré un peu les idées puis nos envies. Oui. Et il fallait trouver des personnes aussi humainement qui pouvaient rentrer, des personnes curieuses, parce qu'avec le sous-bassophone ou les instruments qui n'ont pas forcément tous la même culture que nous. Le sous-bas, lui, qui est aussi une trompette connue au milieu de jazz, au milieu de... Benoît Godiche, voilà. Benoît Godiche. Hein. Excellent. Et puis Gaël Martineau, voilà, qui percute, qui travaille dans pas mal de formules aussi, de concerts ou d'animations, de rue, mais sans être un spécialiste de cette musique-là. Et ce qui est intéressant, c'est leur disponibilité et puis leur curiosité. Oui. Comment ça sonne, comment ça se danse, comment ça fonctionne, comment... Donc là, il y a un vrai échange musical. Thank you.
on a passé vachement de temps avec Philippe à voir aussi qu'est-ce qu'on voulait défendre de cette musique-là, qu'est-ce qu'on voulait en fait mettre en avant. Et à un moment, on a eu la chance dans l'historique du couple qui est court, parce qu'en gros ça fait 5 ans, aux alentours de 5 ans qu'on sort ensemble, un peu moins. Et en fait, on a eu, mine de rien, pas mal d'expériences, entre autres avec les Fanfarons, qui est une fanfare, l'usine à canard, qui est une fanfare, Alambic électrique, tout ça. Et on a eu la chance d'aller faire des spots à droite et à gauche avec d'autres musiciens de d'autres milieux. Sans parler des plans qu'il y a eu. Mais... par des impromptus aussi. Quoi. Et oui. Du coup, ça a permis finalement d'affiner toujours un petit peu plus qu'est-ce qu'on voulait défendre. Ce qu'on veut défendre, c'est très clair, c'est ce côté rencontre avec le public. En fait, tout ça, c'est qu'un bloc. Tous les gens qui sont autour, c'est-à-dire tout l'environnement dans lequel on joue, tout ça ne fait qu'un. C'est, on est là pour un moment, un grand moment de partage avec une grosse exigence musicale. L'exigence musicale, elle est dans notre façon de phraser, dans nos choix de thèmes. On passe un temps faramineux sur les choix de thèmes. Et par exemple, dans la grosse compagnie, on a passé quand même 3 mercredis soirs entiers à faire le tour des gens dont on sait qu'ils allaient rentrer dans cette action-là, c'est-à-dire des gens qui étaient prêts à danser en juin, parce que pour nous c'est obligatoire, sinon pas de ressenti commun, pas de ressenti commun sur la puissance de phraser. Des gens qui étaient aussi, qui avaient tout ce savoir à côté, donc Benoît, on va dire, plus jazz funk, Steph, beaucoup les musiques du monde, beaucoup tout ce côté trans, ils connaissent ça très bien, Gaël Martino qui bosse beaucoup de musiques du monde aussi, donc ils pourraient nous amener ce petit plus en nous englobant, c'était pour nous, c'était la bulle, quoi. Voilà, c'était le Cerro Janvier, et puis 3 mecs qui vont nous mettre la bulle, et du coup, une bulle qui va donner tout ce côté organique, en fait, de cette musique. Espérer voir la Groove Company plus tard sur les Flèches Noses, après cet été, voilà. En tout cas, après cette première. Il y aura des dates cet hiver et au printemps déjà. Ouais, d'accord. Il y a déjà des pistes. Déjà des pistes. Plus que des pistes. C'est même acté sur certains festivals de l'hiver ou du printemps, là, et puis quelques Flèches Noses là qui ont... On pourra suivre l'actualité. Eh ben oui, tout à fait. Ben, en tout cas, pour ceux qui ne seront pas ce soir à la Taverne à Rue et Morvan, dommage pour vous. Ah, vous allez louper un grand moment de délire collectif. Et puis sinon, en fait, toute l'actualité de la Groove Company du couple Janvier Cerro seront sur le site de mathieu-cerro.com. Eh ben, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci et à une prochaine fois. Merci. Salut.